à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Dernière séance de travail avec Corinne Lenon, qui m'accompagne dans ma validation des acquis de l'expérience à partir du journal filmé. Finalisation du mémoire que je dois rendre dans quelques jours. Je reviendrai en septembre pour l'examen final. Le temps a passé depuis. J'enregistre cette voix off le 23 janvier 2020. Depuis, j'ai retravaillé sur le texte du mémoire pour le confier à Bernard Martin des éditions Jocasseria. Il veut en faire un livre. J'aime filmer la tour EDF. Elle revient régulièrement dans le journal filmé comme un motif. Mais je ne m'y étais jamais attardé. Jamais filmé très longtemps. Juste en passant. Jamais en gros plan. Zoom numérique. J'ai ralenti le défilement de l'image au montage pour gagner en stabilité. Et ce qui s'est passé après ça, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a une appropriation à chaque fois, c'est qu'il y a une fédération de ballons carrés. Un décor pour moi est plus actif que si en tout cas que si on avait simplement regardé ça. Qui se rapproche énormément sans vraiment sans parler de spectacle du réel, les gens vivent là, les gens qui viennent ici vivent dans ce décor et l'activent par leur présence. Je peux parler aussi, mais elles sont du même degré pour moi. Il n'y a pas de marché non. Les installations, tu veux non, dire non, que ce soit dans le travail d'avoir un congé aussi de perception de ce que tu as fait, même si tu es au niveau du récit, si je marque comme ça. Soit le travail, si on adhère au travail à l'installation, soit on a envie d'avoir plus d'éléments de. Franchement, t'as vu notre ami. Il est déjà tellement. J'ai Pietro là. Pietro, il pense quoi? J'aime bien, c'est le renversement des générations, t'as vu? Ah oui! Thank you.
fermeture automatique des portes. Attention au départ. Merci.